Hamon and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'Hydrogen City. C'est un projet mené par une société américaine qui s'appelle Green Hydrogen International et qui vise donc à développer une ville qui aurait une capacité de production d'hydrogène de 60 gigawatts. Elle serait implantée dans le comté de Duval qui se trouve au Texas. Elle serait alimentée par de l'énergie éolienne et solaire. C'est pour ça qu'on peut parler d'hydrogène vert. Donc il y aurait, selon l'article de h2mobile.fr, des pipelines qui achemineraient l'hydrogène produit jusqu'aux villes portuaire de Corpus Christi, qui se trouve à environ 145 km, et de Brownsville, à la frontière mexicaine. Le projet disposera d'une caverne qui serait à l'intérieur du dôme de sel de Piedras Pintas, qui permettra le stockage sur place de l'hydrogène produit. Alors, la société affirme qu'il sera possible de créer une cinquantaine de cavernes similaires dans cette zone. Cela permettra à Hydrogen City de stocker jusqu'à 6 TWh d'énergie. Alors, une fois finalisé, Hydrogen City devrait produire environ 2,5 millions de tonnes d'hydrogène vert par an. La première phase de 2 gigawatts du projet débutera en 2026 avec la création de 2 cavernes de stockage. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.